Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université et nous allons continuer ici les cours de débutant à 2, donc cours de français. Et voici le niveau A2 et c'est la vidéo numéro 5 du niveau A2. Donc le thème c'est le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc on vient de voir des vidéos qui ont expliqué un petit peu comment utiliser l'auxiliaire être. Et quels sont les deux types de verbes qui vont avec l'auxiliaire être? Et maintenant, nous allons voir l'auxiliaire avoir. Donc, l'auxiliaire avoir s'utilise avec le passé composé, donc pour tous les verbes qui ne s'utilisent pas avec l'auxiliaire être. Il y a peu de verbes qui s'utilisent avec l'auxiliaire être et tous les autres, c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc, avoir au présent, on l'utilise pour dire son âge ou dire une appartenance, ce qu'on a, ce que l'on a. Donc, au présent, c'est j'ai, tu as, il, elle, a, nous avons, vous avez, il, elles, ont. Donc, on l'utilise au présent et ici, j'ai mis quelques exemples de phrases. Donc, j'ai mangé des crêpes. Donc, on a l'auxiliaire avoir au présent et on a le participe passé du verbe manger. Tu as chanté une chanson. Donc pareil, le verbe qui fait l'action, c'est chanter et donc il est au participe passé et on rajoute l'auxiliaire avoir pour avoir le temps composé et pour exprimer une valeur de passé. Tu as chanté une chanson. Il a dansé toute la nuit. Elle a lu un livre. Donc c'est le verbe lire. Donc la majorité des verbes à l'infinitif qui finissent en RE font un participe passé en U. Elle a lu un livre. Et c'est féminin, mais le participe passé reste identique. Donc avec avoir, il reste invariable, identique. Il y a seulement une règle, mais une exception, mais c'est plus tard. C'est pas pour le niveau A2. Nous avons regardé un film, donc le verbe regarder. Donc ça fait son participe passé en E. Nous avons regardé un film. Vous avez bu du jus de fruits. Donc, bu, c'est boire, boire, O-I-R-E, donc ça fait le participe passé en U. Ils ont joué aux cartes, jeu de société aux cartes. Ils ont joué, donc joué, ça fait le participe passé en E. Elles ont fait du sport, donc c'est faire, faire du sport. Elles ont fait du sport. Voilà, donc c'était quelques exemples avec l'auxiliaire avoir. Et si vous avez des doutes ou des questions, vous pouvez les écrire en dessous. Donc, au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.